Ça, c'est un gros pot de Nutella tout neuf qui fait 1 kilo. Et ça, c'est le même pot de Nutella, mais vide parce que je vais fabriquer du Nutella maison. Dans le Nutella, on a 50% de sucre, 20% d'huile de palme, 13% de noisette, 8,7% de lait écrémé et 7,4% de cacao. On multiplie tout par 10 et on a les proportions en grammes pour 1 kilo. J'ai le sucre, j'ai l'huile de palme, à côté, il y a la poudre de noisette, ensuite le lait écrémé en poudre et enfin le cacao maigre. On commence par tarer la balance à zéro avec le pot vide et c'est parti pour les 500 grammes de sucre. Voilà, pile poil. Ensuite, on va mettre l'huile de palme, mais franchement, on n'a pas envie de la goûter pure. Du coup, il en faut 200 grammes, on va la verser doucement sur le sucre, et voilà, 200 grammes. Et on mélange pour que l'huile arrive à dissoudre le sucre. Il faut 130 grammes de poudre de noisette. Et comme le paquet fait 125 grammes, on va pas s'embêter, on va tout mettre. Allez, il est presque vide. Et finalement, il y en a 127 grammes. Et on mélange à nouveau. Avant-dernier ingrédient, le lait en poudre, et là, c'est 87 grammes. Et là, le compte est bon. Et pour finir, l'ingrédient probablement le plus important, le cacao. 74 grammes. Il y en a un petit peu plus et on voit la suite dans la prochaine vidéo.